qu'on a pour les présentations de visiteurs. Période de questions orales. And I recognize the member for Témiscamingue-Cochrane. Député de Témiscamingue-Cochrane. Ma question s'adresse au premier ministre. La semaine dernière, il y a eu la nouvelle que le gouvernement Ford veut couper des services d'assurance santé, pas pour ce qui est bien pour les patients, mais pour sauvegarder, économiser un demi-milliard de dollars. Le premier ministre, il ne va pas de faire aucune colonoscopie sans anesthésie. Mais c'est l'un d'une série de coupures de la part du gouvernement que le gouvernement envisage. Est-ce que le premier ministre peut-il nous dire les services en santé qui seront coupés? Ministre de la Santé. Ministre de la Santé et des soins de longue durée. Je remercie le député de cette question pour laisser savoir à la population qu'est-ce qui se passe. Le groupe a été créé en vertu de la décision de l'association médicale. On revoit nos relations d'un rapport ou d'une relation qui a été difficile précédemment pour améliorer l'expérience patient. Quant à certaines procédures particulières, tous les tests de diagnostic seront en fonction des besoins. Et c'est une politique en fonction des rapports de l'information et cela a été éliminé. Et ces services seront maintenus. Complémentaire. Comme la ministre l'a mentionné, le gouvernement crée un groupe approprié. Mais le mandat est de trouver des économies d'un demi-milliard de dollars, que ce soit approprié ou non. Un autre service est à risque concernant le traitement. Les gens qui dépendent et que s'il n'y a pas de traitement, et ces personnes ne pourront pas travailler. Est-ce que le gouvernement va couper ces services? Merci. Le groupe approprié, nous voulons maintenir les services. Nous allons travailler avec l'Association médicale de l'Ontario concernant le projet de loi 74. Nous allons améliorer les soins de l'Ontario pour s'assurer que les soins sont en fonction de l'expérience patient et des données probantes. Ce sont les deux éléments qui nous permettront de prendre des décisions éclairées. Complémentaire final. Les services dispensés doivent mettre l'accent sur les besoins des patients et le gouvernement met l'accent sur l'économie et la quantité de coupures. Et les patients qui attendent l'IRM, c'est troublant. Est-ce que le ministre va-t-il annoncer des coupes dans le réseau de la santé, le projet de loi 74, c'est d'améliorer l'expérience patient pour s'assurer que les patients aient les services nécessaires et que les services soient connectés. Voilà ce que l'on veut faire. On sait que l'expérience patient n'est pas ce qu'elle doit être et les patients n'ont pas les services autant opportuns. Et lorsqu'ils reçoivent leur congé de l'hôpital, ils n'ont pas les soins nécessaires au moment venu. Et parfois, ils n'ont même pas des services. Nous voulons nous assurer que les patients aient les soins qu'ils méritent. Voilà ce que l'on fait. Merci. Prochaine question. Député de Témiscamingue-Cochrane, ma question s'adresse encore au premier ministre. Pendant des semaines, on a demandé au gouvernement de s'engager publiquement
de ne pas faire d'autoriser la prestation de soins de santé dans les secteurs publics. Nous ne voulons pas que le réseau de la santé soit dans les mains d'un organisme à but lucratif. Nous allons proposer des amendements pour s'assurer que le réseau de la santé demeure public. Si ce gouvernement s'engage vraiment à protéger le réseau de la santé, le gouvernement va-t-il appuyer ces amendements? Premier ministre, ministre de la Santé et des soins de longue durée, le projet de loi 74 vise à renforcer le réseau de la santé publique de l'Ontario. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Et si l'opposition essaie de dire le contraire, c'est pas le cas. Nous allons avoir des équipes locales de santé pour s'assurer qu'il y a une couverture dans leur région en fonction des besoins. Et s'il reste de l'argent au cours d'une année, cela sera réinvesti dans les soins aux patients l'année suivante. C'est la façon dont les choses fonctionnent pour renforcer le réseau de la santé. Merci. Complémentaire. La ministre l'a encore dit. Elle dit d'un réseau de la santé financé par le public, mais on veut un système de santé dispensé par le public pour enchâsser les droits de la loi canadienne sur la santé, protéger l'expansion de la prestation de services dans le secteur privé. Est-ce que la ministre va-t-il adopter des mesures pour que le réseau de la santé demeure public? Une fois de plus, par vous, je crois que le député de l'opposition ignore la réalité. Elle sait très bien, comme nous tous de l'opposition, il y a plusieurs soins de santé qui sont dispensés par le secteur privé, comme par exemple les médecins. Les étudiants en médecine sont ici. Nous voulons nous assurer que ceux qui ont besoin de soins peuvent recevoir les soins nécessaires et c'est financé par le public. C'est ce qui est le plus important. Arrêtez la pendule. Que les députés se rassoient. On devrait démarrer la pendule. Complémentaire final. Les gens ont parlé et ils nous disent qu'ils ne veulent pas un réseau démantelé. Intervention du président. Je rappelle le gouvernement à l'ordre. Je présente mes excuses au député de Témiscamingue-Cochrane d'avoir dû l'interrompre. Veuillez poser votre question. La privatisation du réseau de la santé va à l'encontre de notre identité ontarienne et canadienne. Mais il est clair que le gouvernement Ford a sa propre priorité. Moins de services de santé et plus de prestations privées. Est-ce que le gouvernement va reconsidérer, arrêter son plan d'élargir à la privatisation notre réseau de la santé? La ministre. Merci encore une fois. Je ne sais pas d'où provient l'information du député, parce que la population a parlé et la population veut un meilleur accès lié au réseau. La population veut recevoir ses soins dans des délais raisonnables. On veut un réseau de la santé publique. On veut s'assurer que les gens reçoivent leurs soins dans des délais appropriés. Je ne sais pas d'où provient votre information. C'est erroné. Prochaine question, député de Davenport. Bonjour, Monsieur le Président. Au Premier ministre. Les parents et les élèves ont été étonnés la semaine dernière de savoir que le gouvernement va de l'avant avec un plan qui mènera à la mise à pied de milliers de travailleurs de l'éducation et d'enseignants. Ce matin, nous avons déjà vu les conséquences. Global News a fait un rapport sur le fait que vendredi, 1 000 enseignants dans le district scolaire de Toronto
ont été déclarés comme étant un surplus. Il est clair que la décision du gouvernement d'élargir le nombre d'élèves par salle de classe est responsable. Est-ce que le premier ministre comprend qu'on ne peut construire un réseau de l'éducation de classe mondiale tout en mettant à pied les milliers d'enseignants qui fournissent ce service? Le premier ministre. Monsieur le Président, je ne comprends pas d'où proviennent ces informations, d'où proviennent ces renseignements. Laissez-moi être clair. Il n'y a pas un enseignant qui perdra son emploi. Laissez-moi le répéter. Il n'y a pas un enseignant qui perdra son emploi. Il y a présentement 125 979 enseignants en Ontario, alors qu'il n'y en avait que 112 000 en 2004. Nous avons 13 000 enseignants de plus et moins d'enseignants. Je comprends, les néo-démocrates ont de la difficulté avec les maths, mais les calculs ne fonctionnent pas. Nous nous engageons à nous assurer que nos élèves soient prêts pour l'économie d'aujourd'hui. Nous voulons nous assurer qu'ils puissent entrer sur le marché du travail, à se concentrer sur leurs habiletés mathématiques, puisque 50 % de nos élèves en sixième année coulent leur maths. Intervention du président. Complémentaire. Monsieur le Président, au premier ministre, 1000 enseignants au district scolaire de Toronto ont remarqué qu'ils n'auront probablement pas d'emploi l'an prochain. Eh bien, moi aussi, je trouve que ça défend l'entendement et j'appelle ça aussi un fait. Des milliers de parents et de travailleurs de l'éducation, de conseillers scolaires et élèves se sont réunis ici sur les terrains de Queen's Park en fin de semaine. Ils savent que d'augmenter le nombre d'élèves par salle de classe n'est pas une recette pour la réussite. Ça va contre toute recherche qui existe. Est-ce que le premier ministre a une preuve quelconque que d'avoir plus d'élèves par salle de classe, d'avoir moins d'options de classe et d'avoir des milliers d'enseignants de moins améliorera la situation dans nos écoles? Le premier ministre. Je dois faire référence à un article de journal. Regardons la question qui a été posée au cours de la fin de semaine dans le journal. Je cite, « Lorsque les enseignants, les élèves ou les défenseurs de leurs droits disent que de grandes compressions sont faites, est-ce qu'on parle de faits ou est-ce qu'on sème la peur? » Eh bien, je vais vous dire, c'est assez simple. On parle ici de semer la peur. Je n'ai pas encore entendu les syndicats enseignants trouver des solutions au fait que les élèves coulent leurs maths. Alors que les enseignants échouent le même test, nous allons nous assurer que tous les enseignants fassent de bons tests avant d'enseigner à nos élèves. Monsieur le Président, nous conservons le nombre d'élèves par salle de classe, de la prématernelle jusqu'à la huitième année. Nous nous assurons, intervention du Président. Arrêtez la pendule. Que les députés se rassoient. Redémarrez la pendule. Prochaine question, député de Sault-Sainte-Marie. Merci, Monsieur le Président. Au premier ministre. En fin de semaine dernière, le premier ministre a été à North Bay et il s'est présenté à l'ouverture d'une clinique menée par des infirmières praticiennes avec le ministre des Finances. Les Ontariens ont été clairs sur le fait qu'il faut régler les problèmes du réseau de la santé. C'est la raison pour laquelle nous voulons améliorer le réseau. Notre objectif de diminuer la médecine du couloir a été aidé par cette clinique menée par des infirmières à North Bay. Est-ce que le premier ministre peut nous en dire plus sur cette bonne nouvelle pour le nord de l'Ontario? Merci. Le premier ministre. Premièrement, j'aimerais remercier l'excellent député de Sault-Sainte-Marie. Il fait un excellent travail. Et j'aimerais remercier le ministre Vic Fideli de nous avoir accueillis à North Bay
Quelle belle ville, Sault Ste. Marie, North Bay, très belle ville. Nous avons une clinique d'infirmières praticiennes qui a été ouverte, qui pourront desservir 2 400 personnes. Leur autre clinique dessert près de 3 000 personnes. Ce n'est qu'un pas dans notre plan, une étape dans notre plan pour mettre fin à la médecine du couloir. J'ai eu la chance de parler aux physiciens, aux médecins ainsi qu'aux infirmières là-bas. Et ce sera vraiment une bonne influence qui retirera l'heure de pointe dans nos hôpitaux pour mettre fin à la médecine du couloir. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le Premier ministre de sa réponse. L'ouverture de cette clinique est une excellente nouvelle pour North Bay et est un pas dans la bonne direction pour nos voisins du Nord afin de mettre fin à la médecine du couloir. Voici un gouvernement qui continue d'écouter les travailleurs de la santé aux premières lignes. Le fait est que nos médecins et infirmières n'étaient pas appuyés par le gouvernement libéral précédent. Est-ce que le premier ministre peut nous en dire plus sur l'importance essentielle des travailleurs de première ligne dans le nord de l'Ontario et à l'échelle de la province? Le premier ministre. J'aimerais remercier le député de Sault Ste. Marie de nouveau. Monsieur le Président, c'était fabuleux de se promener dans cette clinique et d'écouter les gens. Et je l'ai dit au cours de ma campagne, l'épine dorsale de notre réseau, ce sont les infirmières. Elles sont aux premières lignes et s'occupent de nos patients. Et je vais vous raconter une histoire, Monsieur le Président. Hier, je crois qu'il était 1 h, j'étais dans mon bureau à Etobicoke, j'ai reçu un appel d'un patient de l'hôpital qui est sur la 400 Finch. Et ils me disent, on ne me nourrit pas, j'ai besoin d'aide, on ne me donne pas de bon repas. Je me suis dit que je surprendrais cette personne, donc. Et j'y suis allée et j'ai eu une excellente expérience à parler aux infirmières, aux travailleurs de première ligne. Et je lui ai dit, l'aide est ici, nous appuierons toujours nos infirmières, elles sont vraiment l'épine dorsale de notre réseau et j'ai été en mesure de parler aux patients et d'apprécier le travail que l'on fait. Merci. Prochaine question. Député de Davenport. Encore une fois au premier ministre. Parlons de faits. La semaine dernière, et c'est un fait, près de 150 000 élèves à l'échelle de la province se sont battus contre le plan du premier ministre. Ils voulaient se faire entendre de sa part puisqu'il rejette sa décision d'augmenter le nombre d'élèves par salle de classe et de mettre à pied les enseignants. Mais plutôt que d'écouter leur voix, le premier ministre les a jetés du revers de la main, qu'ils se sont organisés et qu'ils n'étaient que des pions. Est-ce que le premier ministre s'excusera auprès des élèves pour son ton condescendant? Le premier ministre. J'aimerais rappeler aux grands chefs syndicaux et qu'ils n'ont pas fait campagne. Ils n'ont pas fait campagne. Les mêmes chefs sont là depuis la nuit des temps. Ils veulent simplement s'en mettre plein les poches avec les syndicats d'enseignants. J'ai eu la possibilité de parler à plusieurs enseignants, mais au cours de la fin de semaine, j'ai parlé à un des enseignants qui était frustré du système. Il a dit qu'on était sur la bonne voie et que la seule chose qu'il a obtenue de son syndicat, c'est une tranche de pizza. Je peux vous dire une chose. Nous allons nous assurer que les enseignants soient impliqués et que lorsque l'on quitte les salles de classe, qu'on fait un débrayage, vous verrez votre salaire diminuer. On entend histoire après histoire de photos qui sont découpées, qui font des affiches dans ces salles de classe. On n'y croit pas. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Que les députés se rassoient. Redémarrer la pendule. Arrêtez la pendule. Du côté du gouvernement, on revient à l'ordre. Du côté de l'opposition, on revient à l'ordre.
À l'ordre. Redémarrer la pendule, complémentaire. Monsieur le Président, ça résume ce gouvernement d'inventer au fur et à mesure. Les organisateurs de ces campagnes, qui s'appellent Natalie Moore et Ray Fisher-Kwan, qui ont organisé la campagne « Entendons les élèves », ont écrit une réponse au premier ministre qui dit ceci. « Nous sommes assez intelligents pour savoir lorsqu'on ne reçoit pas notre dû et on en a assez de qu'on nous manque de respect. Nous avons le pouvoir et la responsabilité de nous organiser, de nous débrayer. On aimerait que vous arrêtiez de mentir à la population de cette province. » Intervention du président. À l'ordre. Député de Davenport, revenez à l'ordre. Le premier ministre, revenez à l'ordre. À l'ordre. La députée doit retirer ses commentaires. Monsieur le Président, je retire mes propos même si je ne faisais que lire une lettre. Ce ne sont pas mes mots. Intervention du Président. Je peux m'en occuper, merci. À l'ordre. À la députée. Elle peut maintenant poser sa question. Merci, Monsieur le Président. Et pour être clair, il n'y avait pas d'autobus à ces manifestations. Et si vous iriez, peut-être que vous le sauriez. Est-ce que le premier ministre croit que Lynn et Natalie, est-ce que vous croyez ce qu'elles ont à dire et est-ce que vous leur présenterez vos excuses aujourd'hui? À la ministre de l'Éducation. À la ministre de l'Éducation, que le député revienne à l'ordre. Je dois être en mesure d'écouter et d'entendre la ministre. L'opposition, revenez à l'ordre. À la ministre de l'Éducation, je dois être en mesure de l'écouter. Merci, Monsieur le Président. Je peux vous dire ce que nous n'allons jamais faire de ce côté de cette Chambre. Nous n'allons jamais jouer à des gains politiques lorsque l'on parle des élèves dans les salles de classe. Les gens qui donnent de mauvaises informations et des faussetés, intervention du président, je demanderai à la ministre de retirer ses propos. Je retire mes propos. Et vous pouvez conclure? Encore une fois, Monsieur le Président, nous n'allons jamais jouer à des jeux politiques lorsqu'on parle de la réussite de nos élèves. Vous savez quoi? Tout ce que l'on fait sera mesuré et ce sera responsable, fondé sur une recherche quantitative et qualitative. Nous avons fait des consultations l'automne dernier et on se concentre non pas sur les jeux politiques qui sont joués par l'opposition. Entre eux. Intervention du président, arrêtez la pendule. À l'ordre. Je rappellerai au gouvernement qu'une fois que l'ovation a commencé, je ne pouvais plus écouter entendre la députée, alors j'ai dû l'interrompre. Député de Niagara Falls, vous n'aidez en rien. Redémarrez la pendule. Prochaine question, député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines et ministre des Affaires autochtones. Ce n'est pas un secret que le gouvernement libéral précédent a fait un vrai gâchis dans notre réseau de l'électricité avec de mauvaises politiques qui ont profité à des acteurs du milieu et qui a fait en sorte que les familles et les entreprises ont payé beaucoup trop pour leurs tarifs d'électricité. Nous nous sommes engagés à réparer ce gâchis. Le gouvernement précédent a décidé de se moquer de la population avec son plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité, mais ça a été clair que la population ne l'a pas accepté. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont ce plan pour l'équité était en fait inéquitable? Au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines et ministre des Affaires autochtones. Je remercie la députée pour ce qu'elle fait pour ses commettants Durham. Quel gâchis, Monsieur le Président, avec cette couverture de fiducie KPMG a demandé de protection légale, juridique afin de pouvoir travailler sur cette combine. Ça semble être une alarme pour nous.
Carrie Karen Hughes, qui était sous-ministre du Conseil du Trésor, a dit qu'on a recommandé d'aller contre ce plan. Steve Orsini a dit que nous n'avons pas recommandé ni appuyé ce plan. C'est un vrai gâchis. Le projet de loi 87 réparera ce gâchis et c'est exactement ce que nous voulons faire. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le ministre pour l'excellent travail qu'il fait depuis que nous avons été élus l'an dernier. De réparer le gâchis dans le réseau de l'électricité est une priorité pour notre gouvernement et je suis heureuse de voir que l'on agit déjà pour changer la situation pour les familles de l'Ontario. Les familles et les entreprises de Durham méritent d'avoir confiance en leur système d'électricité et savent que la transparence est une première étape très importante. Il y a beaucoup de travail à faire après 15 ans des accords dans les coulisses conclus par les libéraux. La population a maintenant confiance que le gouvernement travaille pour rendre leur vie plus abordable. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que fait le gouvernement pour donner la priorité aux Ontariens et Ontariennes? Le ministre. La transparence est essentielle dans ce processus. Notre gouvernement a remplacé la structure de ce refinancement du rajustement global avec des rabais sur les factures. Nous croyons que les familles et les entreprises méritent de connaître exactement le coût de l'électricité. Et nous allons aller de l'avant avec des subventions qui se retrouveront sur les factures d'électricité. Elles ne se retrouveront pas en fiducie corrompue. Intervention du président, je demande aux députés de retirer ses propos. Je retire mes propos. On va épargner aussi des milliards de dollars en coûts d'emprunt à la province en raison de notre plan juste et transparent. Nous allons utiliser la même approche lorsqu'on parle de la taxe sur le carbone qui élimine les emplois. Il a été éliminé l'automne dernier. Maintenant, le gouvernement Trudeau a décidé de le ramener et nous allons nous y attaquer. Attendez, regardez-nous bien aller. Intervention du président, arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Député d'Oshawa. Merci. À la ministre du Travail, elle a un rôle essentiel dans la province et elle a la responsabilité de montrer un leadership lorsqu'on parle de négociations collectives en Ontario. La semaine dernière, le premier ministre de l'Ontario s'est attaqué à des chefs syndicaux qui les a appelés des gros bras syndicaux. Est-ce que la ministre croit qu'il faut être d'accord avec ces noms qui ont été lancés ou est-ce qu'elle saisira l'occasion pour se distancer du premier ministre et de ses commentaires? La ministre du Travail. J'aimerais prendre l'occasion de dire que la négociation collective n'est pas à risque. En Ontario, les employés peuvent encore se syndiquer. Nous ne faisons que clarifier que les employés du secteur public ne sont pas des employés de la construction. Une fois que le projet de loi 66 sera adopté, nous sommes engagés avec les acteurs du milieu, que ce soit syndiqués, non syndiqués, les entreprises, Monsieur le Président. Nous avons un excellent bilan dans la province avec les accords collectifs. 98 % des discussions sont complétées entre les deux parties qui sont à la table. Et donc à la députée, la province de l'Ontario a, en ce gouvernement et ce parti, une bonne relation de travail avec les syndicats et nous continuerons de les rencontrer, d'être avec eux à la table. Nous avons des désaccords parfois et on entend la rhétorique. Intervention du président. Question complémentaire. Merci. Encore une fois, à la ministre. Beaucoup de gens travaillent dans cette province et donc il y a beaucoup en jeu. Et en fait, les négociations commencent avec le gouvernement. Comme ministre du Travail, elle a la responsabilité de faire en sorte que les négociations de travail soient faites de bonne foi. Si elle ne va pas se distancer de ses commentaires, comment peut-elle faire son travail avec crédibilité? Les Ontariens devraient pouvoir faire confiance à ce principe de bonne foi. La ministre du Travail va-t-elle dire que les commentaires du premier ministre étaient inacceptables?
La ministre du Travail. Monsieur le Président, le ministère du Travail rencontre tous les acteurs dans le cadre des négociations collectives. Nous fournissons un service lors des difficultés dans les négociations collectives. Le ministère fournit des médiateurs. Nous sommes une entité neutre qui est parfois nécessaire. Nous avons un taux de succès de 98% en Ontario. Et je suis très fier du travail de mon ministère. Avons-nous parfois des discussions intéressantes? Oui, et ces discussions sont importantes. Mais le ministère est là pour servir les deux côtés en cas de négociation collective. Je sais que les médias s'y impliquent et les députés de l'opposition aiment bien l'alarmisme. Merci. Merci. Question suivante. La députée d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Kathleen Finley m'a joint pour parler de son expérience épouvantable reliée à une inconduite à caractère sexuel lorsqu'elle était employée de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Elle a fait part de l'allégation, mais son patron lui a dit de se taire. Et donc, elle m'a permis de soulever cet enjeu. Elle a été en contact avec le Premier ministre après qu'il a dit qu'il allait protéger les femmes. Et la Commission des valeurs mobilières a été en contact avec les premiers ministres. Elle a reçu des lettres menaçantes et finalement, elle a été hospitalisée. J'ai fait un suivi avec le Premier ministre en décembre car je voulais m'assurer que son bureau avait des politiques qui favorisaient les intérêts des victimes d'agressions sexuelles. Donc, ma question au Premier ministre, allez-vous vous attaquer aux préoccupations de Mme Finley et allez-vous faire en sorte que vos politiques et celles du gouvernement respectent les victimes? Je demande aux députés de faire leurs commentaires par l'intermédiaire du président, la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci, Monsieur le Président, de l'occasion de parler de la protection des femmes dans notre province. Je remercie la députée d'en face pour avoir soulevé cet enjeu. Je ne connais pas les détails de cette situation, donc je demande à la députée de me rencontrer à la suite de la période des questions pour que nous puissions parler des mesures de notre gouvernement visant à protéger les femmes et les filles qui fuient la violence, l'agression sexuelle ou la traite de personnes. Notre gouvernement est déterminé à promouvoir l'égalité des femmes. Nous avons dit que les femmes doivent soutenir les autres femmes, mais c'est la responsabilité de l'ensemble des députés de contrer ce genre de circonstances. Donc, je serai heureuse de rencontrer la députée afin de résoudre ce problème. Complémentaire. Merci. Ma question s'adressait au Premier ministre car les femmes ont essayé de le joindre. Et donc, j'espère que le bureau du Premier ministre va changer sa politique. Madame Finley ainsi que d'autres femmes ont fait part de leurs préoccupations concernant le financement des centres de crise. Et en fait, il y a eu un article dans Now Toronto. Une femme faisait une collecte de fonds pour l'un de ses centres et, en fait, elle était heureuse lorsqu'il lui a donné 5 $ pour soutenir ce centre de crise. Mais, en fait, il ne savait pas que son gouvernement avait défendu ce centre. Donc, le gouvernement va-t-il financer pleinement ces centres qui sont essentiels pour les femmes? Le gouvernement doit le faire cette année et à l'avenir. La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci. Une question très importante. Le gouvernement investira 174,5 millions de dollars. Il y a eu un engagement d'1,5 million de dollars juste avant Noël. Et c'est important car nous faisons plusieurs choses pour ce qui est du soutien aux femmes qui fuient la violence familiale, la violence à caractère sexuel et la traite de personnes.
Nous aurons plus de ressources dans les collectivités rurales. Je félicite le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, le député de Leeds-Granville, ainsi que le député de Lanark, Farnack et Hastings, qui ont soulevé ces enjeux en Chambre. Je travaille avec la procureure générale pour qu'il y ait un meilleur soutien aux victimes, et je travaille avec le ministère du Travail. Et donc, lorsqu'on fait face à la traite de personnes, nous serons en mesure de nous y attaquer. Notre gouvernement va fournir des soutiens de plusieurs ministères, que ce soit de la procureure générale ou de la solliciteur générale. C'est la bonne chose à faire. Question suivante, le député d'Oakville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse au président du Conseil du Trésor. Mes commettants sont très préoccupés concernant la viabilité des finances de la province en raison des mauvaises décisions et des dépenses déraisonnables. L'Ontario a hérité une dette de 338 milliards de dollars. À cause de ce niveau d'endettement, les paiements d'intérêts constituent le quatrième poste budgétaire. Et nous payons 1,4 million de dollars par heure pour payer l'intérêt sur la dette. C'est 30 millions de dollars par jour qui ne financent pas les routes, le transport en commun, les services de première ligne. Le président du Conseil du Trésor peut-il nous expliquer quelles mesures sont prises par notre gouvernement pour s'attaquer à ces dépenses? Le président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président, et je remercie le député d'Oakville de son excellente question. Oui, c'est vrai, nous avons hérité un défi en matière de dépenses du gouvernement libéral. Il y a eu une augmentation de la dette de 200 milliards de dollars. Et qu'est-ce qu'on a reçu pour ce montant? Est-ce qu'on a réglé la santé? Non. Est-ce qu'on a réglé les problèmes en matière de résultats en mathématiques? Non. Est-ce qu'on a eu plus d'hôpitaux? Non. Monsieur le Président, le gouvernement a hérité des dépenses sur les salaires de 72 millions de dollars par an. Le député a parlé des coûts quotidiens de l'intérêt sur la dette. Nous avons commencé les processus de consultation sur les salaires. Ces consultations éclaireront l'étape suivante du gouvernement pour gérer la croissance. Nous travaillons avec nos partenaires pour que tout l'argent des contribuables soit investi de façon responsable. Question complémentaire. Monsieur le Président, je remercie le président du Conseil du Trésor de sa réponse. C'est étonnant, la dette des libéraux. Plus tôt ce mois-ci, M. Bethlen-Farvey a rendu public la divulgation des traitements de la fonction publique. On voit qu'en 2018, le nombre de personnes qui gagnent plus de 100 000 $ a augmenté de 20 000 personnes. Depuis la prise de pouvoir des libéraux en 2003, la liste a connu une croissance de plus de 600% et il y a maintenant plus de 150 000 personnes sur cette liste. Et donc, on voit que le président du Conseil du Trésor est sur la bonne voie. Il commence ses consultations sur cette croissance des salaires. Le président du Conseil du Trésor peut-il nous expliquer quelles mesures doivent être prises dès maintenant? Le président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député d'Oakville de sa question. Soyons clairs. À tous les jours, je suis impressionné par la fonction publique. C'est une fonction publique qui est très responsable. Mais nous devons être honnêtes concernant la viabilité des programmes gouvernementaux. Nous ne pouvons gérer les dépenses si on ne tient pas compte des salaires. Nous devons nous attaquer aux inégalités intergénérationnelles et nous devons prévenir des problèmes à l'avenir. La reprise économique a commencé il y a 10 ans et donc nous devons faire preuve de discipline financière pour que nous puissions nous permettre de payer les choses les plus importantes, c'est-à-dire la durabilité du réseau de la santé, la durabilité de l'éducation, des services sociaux et de nos universités. Voilà pourquoi nous avons lancé ces consultations. Question suivante, la députée de Hamilton West, Ancaster Dundas. Monsieur le Président, cette question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, le président du Conseil du Trésor a prononcé un discours concernant le plan du gouvernement de couper les salaires des travailleurs de la fonction publique.
Le gouvernement a promis de réduire les salaires des infirmières et des enseignants. Les infirmières qui sont, selon le premier ministre, l'épine dorsale de la province. Je cite le président du Conseil du Trésor qui a parlé des contreparties qui réduiront les salaires. Et donc les travailleurs de la fonction publique, comme nos infirmières, devraient s'attendre à quel genre de compression? La vice-première ministre, le président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, je remercie la députée d'en face de sa question. Notre gouvernement est déterminé à rétablir les finances de la province tout en protégeant les services essentiels de première ligne dont les Ontariens dépendent. Nous avons gelé la rémunération des cadres supérieurs. Nous avons gelé la rémunération du secteur parapublic. Et nous nous attaquons au gâchis du gouvernement libéral. Et l'une des mesures prises, c'est de revoir l'ensemble de nos dépenses. La rémunération en constitue la moitié et il nous incombe de nous attaquer à la durabilité des tendances salariales de la fonction publique. Donc, nous devons agir afin de protéger les services essentiels de première ligne pour aujourd'hui et à l'avenir. Question complémentaire, Monsieur le Président. Il me semble que les travailleurs de première ligne aimeraient savoir combien coûtera cette action. Les familles sont en difficulté financière depuis longtemps, après 15 ans d'un gouvernement libéral qui a ignoré le coût de la vie à la hausse. Et donc, nous avons reçu des tarifs d'électricité exorbitants et en même temps, les salaires n'ont pas été augmentés. Aujourd'hui, le niveau d'endettement des familles a atteint un record. Donc, le gouvernement, comment a-t-il pu trouver des millions de dollars pour nommer les amis du premier ministre à des postes bien rémunérés, mais en même temps de demander aux infirmières de resserrer leur budget? Le président du Conseil du Trésor, merci à la députée d'en face de sa question. J'ai une nouvelle. Nous avons hérité un déficit de 15 milliards de dollars. Une augmentation de la dette de 200 milliards de dollars depuis 2003. En tant que quelqu'un qui a travaillé au secteur privé et dans une agence de notation, je connais très bien les chiffres. Nous avons hérité un ratio de la dette au PIB de 40 % ce qui met à risque le bien-être des Ontariens et met à risque les programmes et les services qui nous sont si chers. Ce gouvernement va rétablir les finances de la province afin de protéger la prestation de soins et de services d'éducation pour les Ontariens. Question suivante, la députée de Richmond Hill. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la solliciteur générale de l'Ontario. Monsieur le Président, à tous les jours, les agents de police font un excellent travail pour protéger nos familles. Très souvent, ce travail est fait en secret et non reconnu. La semaine dernière, le Premier ministre a annoncé que l'Ontario créerait à nouveau le poste de solliciteur général. Monsieur le Président, la solliciteur générale peut-elle nous parler de l'importance de ce changement vis-à-vis les travailleurs de première ligne en Ontario? La solliciteur générale. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de servir au sein du gouvernement de Ford. Nous avons une équipe très talentueuse. Je suis toujours étonné par les talents du membre du groupe parlementaire. J'aimerais dire à la députée de Richmond Hill que notre travail est en cours. Nous avons pour objectif de protéger les services de première ligne, de faire en sorte que les victimes de la criminalité soient réglées de façon adéquate. Je vais le faire d'une manière que n'aiment pas les libéraux ni les néo-démocrates, c'est-à-dire être à l'écoute.
les agents de police vont faire part de leurs préoccupations qui nous permettra d'améliorer la sécurité publique. C'est un pilier essentiel du travail de notre gouvernement et je suis très fier de le faire comme solliciteur général. Question complémentaire. Je remercie la solliciteur générale de sa réponse. Les agents de police de première ligne, ainsi que nous tous sommes fiers de vous avoir comme solliciteur général. Au cours des 15 dernières années, le dernier gouvernement libéral n'a pas fait preuve de respect envers les agents de police. C'est excellent de voir que notre gouvernement honore son engagement de rétablir la relation entre le gouvernement, les agents de police de première ligne et la population. Comme député de ce gouvernement, je suis fier de vous dire que nous avons honoré une autre promesse faite aux Ontariens. Monsieur le Président, la solliciteur générale peut-elle nous dire davantage concernant l'engagement de notre gouvernement pour soutenir les agents de police de première ligne en Ontario? La solliciteur générale. Je remercie la députée de Richmond Hill de m'avoir permis de parler de certaines de nos initiatives en cours. Nous avons adopté la loi sur les services policiers qui améliorera la sécurité dans nos collectivités et permettra aux agents de police de faire le travail nécessaire. Nous avons déjà créé certains nouveaux programmes dans nos établissements carcéraux. Nous savons tous que les agents carcéraux doivent avoir les outils dont ils ont besoin pour faire le travail, pour protéger les gens qui choisissent de ne pas respecter les lois de notre pays. Il y a beaucoup de travail à faire avec ma collègue, la procureure générale, concernant la libération sous caution et la libération conditionnelle. Nous travaillons comme équipe et comme gouvernement pour nous assurer de la sécurité dans notre collectivité. Question suivante, le député de Niagara Falls. Merci. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La semaine dernière, un commettant est venu me voir. Elle m'a raconté un récit très troublant. C'est une mère avec une fille qui a 6 mois et qui a besoin de médicaments sur ordonnance. Ce médicament a été couvert par un programme du gouvernement, mais à partir du 1er avril, elle ne reçoit plus de couverture. Donc, il coûtera à cette jeune famille 600 $ par mois. Il coûtera à cette jeune famille 600 $ par mois. Car l'assureur privé ne couvre pas cette formule. Est-ce que la ministre n'a pas pu prévoir cela lorsqu'elle a apporté des compressions à la couverture de patients en Ontario? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je remercie le député de sa question. Nous avions pour objectif de faire en sorte que les jeunes personnes qui ont besoin de médicaments y auraient accès. Si une jeune personne n'a pas d'assurance, elle recevra la couverture dont elle a besoin. C'était notre plan dès le départ. Dans certaines circonstances, on peut se servir du réseau Trillium. Et pour ce qui est de ce défi particulier, je serai heureuse d'aider cette jeune personne et son enfant. Complémentaire. Monsieur le Président, à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, ce gouvernement a démontré à maintes reprises qu'ils vont apporter des compressions déraisonnables sans aucun égard aux patients et aux Ontariens. Il y avait un programme par le passé qui aidait des familles qui avaient besoin d'ordonnances. Et maintenant, les familles ne sont pas couvertes par des entreprises privées, des compagnies d'assurance privée, ils sont sans chance. Ils sont laissés pour compte. Quand est-ce que le gouvernement va faire ce qui s'impose pour permettre la couverture pleine des ordonnances pour qu'aucun enfant dans cette province n'ait à ne pas avoir de prescription d'ordonnance qu'ils ont besoin? Ministre, encore une fois aux députés, si c'est une ordonnance que l'enfant a besoin, donc ça devrait être couvert parce que
Et si ce n'est pas couvert, il y a le fonds Trillium auquel ils peuvent faire demander parce que nous avons amélioré le système pour assurer que tous les enfants ont une couverture de manière raisonnable. L'assureur devrait être le premier payeur, c'est ce à quoi les Ontariens s'attendent, mais s'il n'y a pas de compagnie d'assurance, nous voulons nous assurer que l'enfant a la couverture qu'ils ont besoin. Et voilà ce que le plan a l'intention de faire. Et s'il y a une raison pour laquelle ça ne fonctionne pas et qu'ils n'ont pas d'aide avec le fonds Trillium, le réseau Trillium, je voudrais leur parler et savoir comment notre ministère, mon ministère, peut leur venir en aide. Nouvelle question. Député de Peterborough-Kawartha. Merci, M. le Président. Ma question, je veux que ce soit très clair à qui s'adresse ma question. C'est le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, qui est tout à fait excellent. Les libéraux ont miné la capacité du Nord. La loi sur le Grand Nord est un exemple, à savoir comment le potentiel et les emplois ont été limités avec les politiques des libéraux. Nous avons entendu de maintes reprises de la part de nos collègues qu'aucune personne dans cette région n'a demandé ou n'a même voulu avoir la loi sur le Grand Nord d'assurer que l'Ontario est ouvert aux affaires et aux emplois. Exige qu'on profite des ressources dans le Nord. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations, savoir ce qu'on fait pour encourager la croissance économique dans le Nord et de réduire les barrières à cette croissance? Ministre des Richesses naturelles et des Forêts, je voudrais remercier les députés pour tout son militantisme et tout ce qu'il fait sur notre équipe de consultation au sein de notre caucus. Il est extraordinaire pour moi en tant que ministre. Je voudrais aussi remercier mon collègue du développement du Nord, des mines et des peuples autochtones pour toutes les connaissances qu'il a en ce qui concerne le Nord et comment il a pu m'aider tout au long de ce processus. Les gens dans le Grand Nord devraient être très confiants que leurs intérêts sont bien représentés ici à Queen's Park. Le député a tout à fait raison. L'ancien gouvernement libéral n'était pas intéressé au sujet de ce que les gens dans le Nord voulaient avec la loi sur le Grand Nord, comme nous l'avons annoncé dans notre énoncé économique de l'automne. Nous sommes en train de revoir la loi sur le Grand Nord et nous demandons d'avoir des consultations en ce qui concerne notre proposition pour abroger la loi. Nous allons continuer de recevoir des soumissions jusqu'au 11 avril et ce sera une grande journée ici en Ontario. Et j'ai hâte de voir tout le travail que nous allons faire pour faire en sorte que le Grand Nord soit ouvert aux affaires et soit ouvert aux emplois. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre de cette réponse. Notre proposition, c'est d'agir de manière audacieuse, qu'on doit faire pour rendre le Grand Nord ouvert aux affaires et ouvert aux emplois. Je sais que les gens dans le Grand Nord seront soulagés de savoir que l'aide s'en vient avec le leadership de notre premier ministre et de notre ministre. Au lieu de donner des incitatifs à des groupes d'intérêts spéciaux, nous travaillons pour les Ontariens et notre proposition pour abroger la loi sur le Grand Nord va finalement permettre au Grand Nord d'atteindre son potentiel économique. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment cette proposition va aider les gens dans le Nord? Ministre, merci encore une fois de la complémentaire. Notre objectif est de réduire les restrictions sur des projets de développement économique dans le Nord, tels que le cercle de feu, des routes à toute saison et des projets d'électricité, contrairement aux libéraux qui n'ont pas porté intérêt à ce que le Grand Nord voulait. Nous allons avoir des consultations avec nos partenaires dans le Grand Nord, les peuples autochtones, et nous allons corriger le tir. Nous allons permettre d'avoir des approbations, des changements, d'aménagements et tout autre projet qui est à un stade avancé. Nous allons pouvoir débloquer le potentiel économique dans le Grand Nord et nous sommes engagés à créer des occasions économiques pour toutes les régions partout dans cette grande province. Next question. Nouvelle question, député de London West. Merci. Ma question est à la ministre de l'Éducation. À la suite de ces compressions de milliards de dollars de l'éducation publique, le mois dernier, 35 aides enseignants ont reçu des avis de mise à pied. C'est à la suite des 100 postes de coordinateurs en éducation spéciale qui ont été congédiés le 6 mars. Ça a été annoncé alors que
On s'attend à ce qu'il y ait 500 étudiants sur le spectre d'autisme qui s'intégreront à l'école. Le gouvernement veut parler des mathématiques, donc voici ma question. Lorsqu'on ajoute 500 enfants avec des besoins spéciaux et on retire 35 des aides-enseignants qui les aident, est-ce que les étudiants à London seront dans une meilleure position ou seront dans une situation qui est pire qu'elle était avant? Ministre de l'Éducation, merci. La réponse à cette question, c'est d'arrêter d'attiser les peurs parce que les conseils scolaires partout en Ontario travaillent avec un exercice où des avis de surplus sont donnés. Donc, ma question à la députée d'en face, combien qu'ils ont congédié l'année dernière et l'année d'avant et l'année avant celle-là? Et si elle est honnête avec elle-même et les membres, les députés au sein de son propre caucus et de ses commettants, elle serait honnête et elle dirait que c'est quelque chose de normal, que c'est une activité de l'équipe annuelle que le conseil scolaire effectue. Rappel à l'ordre. Vos remarques ont fait référence à quelque chose de non parlementaire. Je vais vous demander de les retirer. Je les retire. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, la ministre, comme plusieurs autres conseils scolaires, Thames Valley a déjà une pénurie d'aides-enseignants. Ces 35 congédiements vont seulement rendre la situation pire, surtout pour les étudiants en autisme. Et ça veut dire que les aides-enseignants qui, avec l'analyse et leur formation, on leur dit de mettre un fin à cette formation parce que personne n'est là pour les couvrir. Est-ce que la ministre peut nous dire comment la réduction de ces aides enseignants vont permettre d'améliorer le sort des étudiants avec des besoins spéciaux, surtout lorsqu'ils ne sont pas là pour recevoir la formation? La ministre de l'Éducation, nous avons une série de problèmes et d'un système qui ne fonctionne pas après 15 ans de gouvernement libéraux. Et nous allons bien faire parce que moi-même, avec la ministre des Services à l'enfance, des Services sociaux et communautaires et avec la ministre de la Santé, nous allons avoir une consultation. Ça va être lancé au mois de mai. J'encourage la députée d'en face de dire à ses parties prenantes de s'assurer de participer dans cette consultation. La ministre McLeod a invité tout le monde à participer dans cette consultation, mais les faits sont que nous allons faire ce qui s'impose parce que nous n'allons pas nous allons pas tenter d'attiser les peurs et de faire de la propagande, mais nous allons plutôt travailler avec toutes nos parties prenantes comme nous l'avons fait en automne parce qu'encore une fois, notre consultation, au moins durant l'automne, nous a mis dans une bonne posture pour l'avenir et j'ai tout à fait confiance que cette consultation au mois de mai va faire justement la même chose. Merci. Nouvelle question. Député de Markham-Unionville. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre des Services à l'enfance, des Services sociaux et communautaires. Dernièrement, le Globe and Mail a rapporté que le gouvernement des États-Unis a demandé au gouvernement fédéral canadien de renégocier l'accord de tiers parties pour les demandeurs d'asile. Nous savons qu'avec le nombre d'immigrants illégaux qui ont passé la frontière, a mis un grand fardeau sur les services sociaux en Ontario. Est-ce que la ministre peut nous donner plus d'informations sur les efforts de notre gouvernement? Je vais demander au député d'Ottawa Centre de retirer ses propos non parlementaires. Monsieur le Président, j'ai de la difficulté de retirer mes propos au sujet d'un commentaire. J'espère que le député connaît les conséquences de ne pas retirer ses propos. Je vais lui demander encore une fois, je retire mes propos. Rappel à l'ordre. Le député a retiré ses propos. Le député de Markham-Unionville, veuillez compléter. Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour au sujet des efforts de notre gouvernement pour la population que nous faisons en sorte pour que le gouvernement fédéral est redevable envers leur politique qui est défaillante?
Je voudrais remercier le député de Markham Unionville d'être une voix très forte, non seulement dans cette Assemblée, mais aussi pour les nouveaux arrivants. C'est une bonne histoire à succès, à savoir ce qui fonctionne ici en Ontario, au Canada. Le gouvernement fédéral a la seule compétence pour les nouveaux arrivants et pour ceux, les demandeurs d'asile. Mais je vais être très clair, je ne suis pas la seule personne qui le dit. Tous les premiers ministres de toutes les provinces et tous les territoires étaient derrière notre premier ministre au mois d'août et de dire au gouvernement fédéral qu'ils doivent payer pour leur politique à la frontière au Québec. Il y a 200 millions de dollars auxquels on s'attend que le gouvernement fédéral finance et leur budget est une admission à ce que notre gouvernement et tout autre gouvernement des provinces et des territoires ont dit au gouvernement fédéral, on leur demande de payer pour leurs factures à la suite de leurs politiques et qui n'ont pas fonctionné en ce qui concerne la frontière. Complémentaire. Merci, Madame la ministre. Merci de défendre les droits des contribuables ici en Ontario. L'article que j'ai mentionné, Monsieur le Président, a mis l'accent sur une déclaration de la part d'un agent au sein du ministre. Il a dit que 60 à 70 des nouveaux des arrivants illégaux ont semblé entrer aux États-Unis seulement pour demander d'avoir asile. De faire une demande d'asile au Canada et ils n'ont aucune intention. Et ensuite, ils passent illégalement la frontière et demandent l'asile ici et non pas aux États-Unis. Est-ce que la ministre peut expliquer notre position sur cet enjeu? À la ministre, c'est très important. Je pense que tous les Canadiens et les Ontariens méritent d'avoir confiance dans un système d'immigration très rigoureux. Nous savons que la vérificatrice générale de l'Ontario se penche sur les coûts à la suite de cette immigration illégale au Québec et en Ontario. Les études ont validé nos préoccupations en ce qui concerne l'accommodement et le système de refuge. Nous savons que la ville de Toronto, la ville d'Ottawa se sont présentées à la table et ont demandé au gouvernement fédéral de nous appuyer. C'est pour cette raison que notre gouvernement et tous les autres gouvernements provinciaux et territoriaux ont été derrière, côte à côte, avec le premier ministre pour demander au gouvernement fédéral de payer ses factures. Et avec le budget, ils ont finalement admis que ce que nous avons dit les 10 derniers mois est fiable. Mais ils viennent avec un nombre minimal d'argent et c'est pour cette raison que le gouvernement fédéral non seulement reconnaisse ce qu'ils ont fait, mais aussi qu'il paie pour ces politiques. Nouvelle question, député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Ma question est à la ministre des Transports. Monsieur le Président, l'autoroute 69 est une artère très importante en Ontario. C'est essentiel pour le commerce, le tourisme et pour se rendre dans le nord. Mais il y a eu beaucoup de mortalité et c'est une route qui n'est pas fiable. Après 14 ans, des libéraux qui ont dit qu'ils allaient compléter cette autoroute à Sudbury et le dédoublement. Mais nous attendons encore. La Chambre de commerce a demandé au gouvernement d'assurer que cette autoroute soit à 4 voies et se préoccupe que ce déficit d'infrastructure nuit à notre économie. Ils ont demandé à le mobiliser pour ce projet de transport et d'infrastructure et ce sera trop coûteux à l'avenir et que Sudbury pourrait peut-être ne jamais voir cette autoroute à 4 voies. Est-ce que le gouvernement va finalement dire aux gens de Sudbury que nous allons investir l'argent pour assurer que l'autoroute 69 soit à 4 voies jusqu'à Sudbury? Quand est-ce qu'on peut s'attendre à elle? Est-ce que ce soit fait? Ministre des Transports, merci, M. le Président. Je voudrais remercier les députés de sa question. C'est un gouvernement qui va investir dans le transport et dans les ponts, les autoroutes et partout dans la province. Nous avons donné 1,3 milliard de dollars pour le train léger à Ottawa et nous avons aussi promis 1,3 milliard de dollars pour des autoroutes et l'entretien des ponts. Et nous allons faire ce que nous avons promis, c'est de bâtir de l'infrastructure partout en Ontario et ça comprend les autoroutes, nos routes et nos ponts. Et j'ai hâte d'avoir plus de discussions avec les députés dans cette Chambre après notre budget le 11 avril. Plusieurs députés m'ont avisé qu'ils veulent soulever un rappel au règlement. Député de Willowdale. Merci, M. le Président. Je voudrais tout simplement partager de très bonnes nouvelles dans cette Chambre. Le 5 avril,
à midi, mon frère et sa femme ont eu un enfant, Chase Cho, une petite fille. Donc, je voudrais les féliciter. Ministre des Affaires gouvernementales et des services aux consommateurs, je voudrais accueillir à midi tous les députés pour une photo pour l'appui au don d'organes et aussi pour reconnaître l'anniversaire de commémoration de la tragédie de Humboldt. Député d'Ottawa-Sud, j'ai de nouvelles tristes. Monsieur Keon, le Dr. Keon, ancien conservateur, un contributeur à la santé, est décédé dimanche. C'est très triste comme nouvelle. Ses contributions sont innombrables. Donc, je voudrais tout simplement soulever ça en chambre ici et que tout le monde le sache. Merci, leader gouvernemental de la Chambre. Je voudrais, et ce député a été élu il y a 29 ans et c'est sa fête aujourd'hui. Donc, on voudrait soulever l'anniversaire de notre président, M. Ted Arnott, qui a été élu ici il y a 29 ans et il n'a pas âgé depuis ce jour. Merci. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Je vais demander au leader parlementaire du gouvernement de retirer ses propos. Nous allons maintenant prendre la pause jusqu'à une heure. Merci.